amis téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, quel que soit côté ou bon chez nous, dans le pays d'Haïti, couleur de bord de l'eau, nous sommes très contents de croiser avant dans une émission spéciale, dans une édition spéciale de Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est côté nous rêver. Nous rêver pour nous bâtir nous, surtout dans le pays d'Haïti. Bâti Haïti, c'est pour nous prendre conscience que chaque jour, son héritage que nous gagnons, l'héritage que nous devons quitter, nous ne pouvons pas ni vendre, nous ne pouvons pas ni faire cadeau. Mais souvent, il faut que nous travaillions tant pas nous. Il faut que nous fassions travail pour nous quitter les générations qui vont venir. Même les gens ont quitté pour nous, mais nous-mêmes, nous devons améliorer. Les ancêtres, nous connaissons avec un pile sacrifice, les gens ont été bataille. Qui rêve de gagner pour être dans notre pays? Nous-mêmes, nous prenons, mais chaque monde le prend pour tête. Alors que c'est pour nous que lui. Et c'est tout le monde qui l'a donné dans Bâti Haïti. Mon père, c'est Jean-Lucien Borges. Et encore une fois, on a profité de l'occasion. 24 ans Radio Guinée et 14 ans Télé Guinée. Donc, faites-la continuer. Parce que jeudi, nous sommes en studio. Nous recevons une bonne fête en visite qui, quand même, marque nous. Et nous connaissons tout le monde qui va le marquer tout. Parce que nous, c'est un bâtisseur. C'est un ouvrier qui travaille. Un ouvrier qui toujours travaille. Cette fois-ci, nous pas venus ni dans Panyol, ni dans Anse Duclé. Nous venons là avec nous, dans la Radio Télé Guinée. Nous parlons déjà avec qui est. Bon, quittez nous aller, nous sommes dans la télévision. Nous sommes dans la radio, nous ne pas faire ça. C'est l'ancien premier ministre, Laurent Salvador Lamotte. Merci un peu de G. Borges et toujours. Ce là, dans le Bâti Haïti, ça fait un an que je suis là. Et moi, je voulais passer spécialement, parce que je connais que la semaine, ça a une semaine spéciale pour Guinée. Et je voulais bâti site, je suis en Afrique du Sud, et je tourne avant hier. Et je voulais passer un moment spécial ça avec nous pour me dire Radio Télé Guinée bonne fête parce que me connais que ça fait 13 ans que n'a gouné, ça fait 13 ans que dans persévérance dans bail bon service dans arrivé dans tout pays là et bien nous réussi faire une différence pour que nous bail peuple la lumière, nous bail peuple la information. Nous sommes peuple là, bon gens, nous sommes guide peuple là. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui a fait. Son exemple que lui, bah, tout le monde la presse, d'ailleurs, à travers le pays, qui font un travail, ou qu'aucune chaîne de travail. 14 ans de progrès, 14 ans de persévérance, 14 ans de combat, c'est ça que Radio et Télé Guinée. Et donc là, moi-même, je coupe bien bas devant, je coupe bien bas devant tout travailleur, travailleuse, même Madame Borges, qui est même ses potomitants, et Radio et Télévision, félicitations. Je devrais passer là de manière spéciale, et pour que je fasse avec Fonker Famine, pour me féliciter pour le travail qu'on a fait, et pour m'encourager à continuer, qu'aucun chaîne de travail ça a fait, pour sensibiliser les Haïtiens sur ce qui a fait de positif, pour nous avoir des informations véridiques. Dans un temps, côté que c'est faux nouvelles avec des informations qui font sensation. Eh bien, Radio Télé Guinée, il démarque de qualité sensationnaliste pour porter bonnes nouvelles, vérité, à chaque Haïtien. Félicitations. Et tout félicitations pour toi que nous fait parce que nous n'avons pas de technologie, nous live tout côté. Nous sommes bien là, nous avons live, nous avons des nouvelles. Mon cher, chapeau bas devant ça notre faire. Nous disons ici, je vais tourner bas tout parce que sous sentier pays d'Haïti, c'est là que nous croisons et nous même tout. Et donc là, c'est sûrement que nous avons eu roche. Nous avons eu vêtement qui va vous guider parce qu'on est pas tombé. Donc nous avons eu nous même voulons protéger. Pour ne pas quitter pour même tomber, parce que si nous connaissons tomber, à craser. Nous toujours qu'un peu comme un bibelot, non seulement pour nous faire comprendre.
créateur à tout, mais pour le monde qui prend soin de lui-même, tout, on veut parler dans le langage. Bon, symboliquement, pour maman, papa, tout, parce que il y a un peu de famille qui souffre, là où est que l'autre monde a détruit. Donc nous-mêmes, nous bâtissons Haïti, ça c'est mission nous. Mission nous, c'est pour nous. Nous bâtissons pile route, nous bâtissons route, nous bâtissons caille. Mais nous étions écrasés comme ça, pas même la nature nous écrasés. Par incompréhension, nous nous écrasés. Mais maintenant, nous détruisons. Et l'offre de plus, mon poule, nous avons six mois, nous avons remis plus dans ce dos. L'offre est déplumée. Donc, nous quatre bâtiments maintenant, et c'est le chantier ça que nous-mêmes nous croisons. Donc, c'est une bonne fête que nous avons tourné nous parce que c'est nous qui travaillons. Et Radio Télé-Guinée, nous-mêmes, depuis que nous avons travaillé, nous avons mis des succès pour l'autre monde qui a suivi. Mais en même temps, défaite tout, déception tout, nous avons mis tout parce que nous servons avec les deux pour faire balance à l'équilibre qui pouvait mettre nous avancer devant. Parce que pas de rien qui est réellement négatif, mais bien c'est le. Nous avons peut-être mal abordé. Quand même Jean-Luc là, toujours dit, vers ça là, vers à pas trois cas vides, ouais, mais au bon cas vide, mais il est plutôt trois cas pleins. Donc, nous observons à plein ça. Donc, nous sommes très contents, je vous dis, de souhaiter ça à côté pour nous. Surtout, et nous connaissons à travers Radio Télé-Guinée, nous te suivons. Nous suivons presque tous côtés, et nous faisons qu'à suivre. Excepté en Afrique, là, Aline. On va rien de Guinée, donc nous nous suivre. Nous sommes dans le même siècle, dans n'importe qui côté, et même là que, et au tap travail, comme étant maintenant ancien premier ministre, et bien même tantôt qu'on y a comme citoyen qui a travaillé et qui font fondation dans nos papas. Donc ça, c'est un bel exemple quand même, pour l'autre monde suivre ça tout. Le papa, qui font bagarre, il y a une impression d'un côté, il y a, mais lui, vérité, lui. Les cababouais, les gros hommages, la vivent toujours, aucun vivant. Et ces derniers pays, nous très contents de le voir là parce que c'est ce chantier nous toujours voir. Chantier nous voir, soit qu'on y a là, soit dans Pagnol, après avoir dans Pagnol avec une communauté, donc qui réellement fait fierté, et non seulement nous, mais en même temps qui ont l'autre façon tout pour vendre le pays. Et sans compter, nous descendons en Duclair, c'est ça? En Duclair. Donc c'est ça, nous travaillons quand même. Donc, dans ce sentier, ça, nous avons dit qu'il toujours qu'un courage, et nous avons toujours ensemble, et ensemble avec vous, nous travaillons ça, surtout dans le cadre de Batiaïti. Nous, bien sûr, un peu, le bon, que l'État a dit que la fondation, c'est la fondation sont en de lutte qu'elle est vraiment. Que l'ABC fait que j'ai une capable pour une fondation. La fondation fait célébrer le deuxième anniversaire. Et. Donc, nous devons anniversaire pour la fondation pour nous donner en valeur et différents membres qui t'ont aidé. Et plus communauté, parce que c'est pas Gloire là, c'est pas nous qui a cherché Gloire Gloire là, c'est communauté qui nous a desservi. Donc, il y a deux petits villages qui sont les Anse du Clair et Napanyol que nous décidons que nous avons couru, que nous avons supporté à l'élément du bord. Donc, il y a par exemple le village Napanyol qui est dans la troisième section sous ça, et dans la zone Keskov, que la fondation a gagné un peu le temps de travail là. Donc, il y a tout le monde qui peut être fait, même à la SPIA. Il y a une route de pénétration pour faire, route là nous faisons une première fois, l'écraser, nous faisons une deuxième fois, l'écraser, nous faisons une troisième fois, si l'on passe l'écraser, là nous avons une quatrième fois. Alors, son histoire, n'importe qui monde qui tibure ou bien qui est. Non, il y a déjà dans Guinée parce que nous avec vous, nous avons été avec vous. Donc, nous avons dans le gars, donc c'est dit que nous avons tout pays puis si vous là, nous avons une image. Quand même, on ne sait pas si j'ai regardé notre image de ça n'a pas l'air parce qu'on connaît Gadil Janvier. Gadil Janvier, on ne sait pas si une bonne image. Bon, en tout cas, on a continué quand même. Quatrième fois, vous la faites. Ou là, il continue à travailler sur lui. Là, par exemple, il y a une école qui t'a fait, l'école l'a fini, si nous sommes entrés dans l'école là, qu'on est à la cette cafétéria, l'école là t'a fait, nous avons un curriculum là pour nous faire, un curriculum là fait. Donc c'est finalement c'est une petite école, mais qui a un peu de symbolisme pour nous, pour que nous capables de prendre si nous paysans et mettre pour être capable de vivre un gros citoyen dans le pays. Parce que c'est à travers l'éducation que ça a commencé. Et là, il faut que nous ne pas minimiser rien.
et c'est pour ça que la Fondation prend ça très au sérieux pour définir si l'école ça nous finit. Et un vie clair, nous connaissons un cycle de maturité, pas c'est écrasé tout le bagage. Et bien, la Fondation lui-même a mis le travail pour le aller et puis continuer à accompagner les pêcheurs qui ont perdu tout le bagage. Donc c'est pour ça que là, petit à petit, et la beau bâti qui est écrasé. Gagne un pile aide tout qui continue à bailler dans le cadre d'assistance pour pêcheurs et dans le cadre d'assistance même de population et village là. Donc même nous concentrons beaucoup plus sur les questions d'assistance à pêcheurs et puis le construit cas qui casse. Donc c'est ça que nous et nous connaissons tout que nous avons un pile d'autres concept que nous voulons développer qui c'est le concept village intelligent. Et village intelligent qui s'allie, c'est pas un petit village qui n'est pas connecté dans la grille électrique là, et puis avec énergie renouvelable, montrer qui ça que l'énergie renouvelable est capable de faire pour le village. Donc c'est comme ça que, par exemple, dans Panyol, presque tout le caillou a des énergies renouvelables, et nous faisons avec un don de une fondation Guadeloupe qui aide nous, et bien entendu avec la fondation Digicel et Revolt qui vient et qui met le système dans Panyol. Comme ça que les paysans sont capables de gagner et lumière qui n'est pas de l'énergie renouvelable, donc qui sont dit est-ce que c'est courant que rien. C'est panneau solaire, c'est système révolte là. Donc ils mettent un panneau solaire avec, et puis ils gagnent deux ou trois ampoules, et puis ils gagnent pour charger téléphone, pour les montrer radio et tout. Donc qui est capable d'un système de base, si vous voulez. Et donc on dit que pas de jeune de ça avant. Donc l'autre aller par exemple dans Panyol et son modèle que dit son micro modèle souvelé mais qui était capable de produire dans le reste des sections communales dans le pays parce que la section communale côté que nous pas jamais ça du tout dans la vie et les changer la vie. Donc là ça que nous faisons pour le cas soutenable, c'est que paysans, nous commençons un système d'achat de denrées, donc de légumes, et carottes, tomates, choux, et que y aller, ils revendent plusieurs marques dans la capitale là, par exemple Giant, des Jojo Restaurant, des Kinam Hotel qui achètent dans nos là, qu'on a nommé Celle Bellevue, qui va commencer à acheter dans les paysans directement. Donc, malgré tout, est-ce que production est bonne? Production, faut que nous répondons. C'est pour ça que faut que nous encourageons tout dans la formation pour que nous investissions et comme que aujourd'hui dans engrais, dans plantules pour capable continuer produire pour capable satisfaire du monde. Parce que nous-mêmes rôle par nous c'est mettre les paysans ensemble avec développer un modèle de village intelligent qui capable répondre s'ouvrir à conscience citoyenne et tout. Ouais. Parce que le, pour ça par exemple pour que un gros market pour ça c'est simplement de la pour l'avoir produit alors que là dans le pays et dans le côté dans le pays là meilleure production agricole c'est là que lui que ce soit dans du que ce soit dans tomates que ce soit dans chou que ce soit ça dit que ce soit dans pommes de terre patates yam. Donc c'est ça que pour nous justement encourager. Donc, Fondation fait à travers un modèle, un micro-modèle, mais qui est capable de reproduire à travers le pays. Et souvent, des contentements, association femmes planteurs, association paysan, moun kap produit, pour que vous soyez capable d'assurer, capable de garantir que vous êtes capable de vendre le produit. Parce que imaginez-vous, la violence qui est faite sur le fond de marché. Imaginez-vous, la misère. Que nous nous devons prendre pour le premier produit, pour le premier épargne et betterave, épargne et carotte, pour le mener dans le marché, il n'y a pas de perdre de production. Là, tout le problème ça est fini parce que depuis le produit carotte là, depuis le produit chou, depuis le produit tomate là, automatiquement, vente la garantie. Mais et qualité de production. Qualité, nous avons assistance là dans le c'est-à-dire que la Fondation joue un rôle d'intermédiaire. Nous avons l'intermédiaire entre acheteur là et vendeur là. Donc acheteur là qui a acheté plus que 5 000 dollars américains produits dans l'association, donc qui différence que ça a fait dans foyer là. Parce que ça, plus ou bien Jojo, plus ou bien Kinam qui a acheté, plus ou bien Giant qui a acheté, plus ou bien Belvue qui a acheté. Donc, on est en vrai que c'est pas une bonne communauté que lui.
un petit comité où il n'y a pas que le fait. Donc, on y a là, ça que nous voulons faire pour être soutenable, c'est que, eh bien, dans la production, eh bien, nous disons que faut qu'il y ait investi dans le greffe, il faut qu'il y ait investi dans l'équipement pour être là, la terre, nous accompagner en termes de formation et tout et tout. Il a dit que, non, avec système ça, il y a gagné, il recevra un prix paiement d'acheteur là. Donc avec le problème que vous achetez, vous êtes capable de même acheter les outils, acheter les engrais, etc. pour vous planter. Donc ce modèle-là vient de marcher. Donc c'est un modèle qui est capable. C'est haïtien, le peuple haïtien. Ça veut dire que le modèle, ça, son modèle, sauf les démocraties au travail. Parce que ces grands nègres-là, avec Malheureux, parce que en réalité, c'est lui qui peut aider l'autre. C'est pas étranger qui a venu de nous. C'est lui qui peut aider l'autre. C'est frère pour aider soeur. C'est soeur pour aider frère. Et c'est ça le modèle. Ça. C'est bien le gars qui a aidé Malheureux. Et de manière de la dignité. Parce que ce n'est pas un service que nous avons l'autre, c'est une transaction. Non, c'est pas bail. Les gens de besoin de c'est ça. Effectivement, il faut bien le gars lui-même, c'est pas bail, il va le bail. Absolument. Il faut au même tout, on va le porter. Bon, il change. Son échange. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est même ça que le président a fait de caravane changement. C'est-à-dire que ce n'est pas des bagages qui déjà fait dans le pays. Côté que toute machine du gouvernemental là, elle est concentrée sur, par exemple, deux présidents, à conseiller, à ministre, ils sont concentrés sur le développement rural et au détail près. Là, le président, nous, ça. Donc, dans ce sens, la fondation lui-même nous vient à mettre un micro-modèle de village intelligent. Et village intelligent, ça, nous pensons que libéral un succès pour capable, eh bien, demain, si il y a l'autre monde qui veut faire, le modèle-là, il est ouvert pour que tout le monde puisse faire dans le pays. Mais ce n'est pas un modèle que nous inventons, c'est un modèle qui commence en Inde. Parce qu'en Inde, et village intelligent, c'est à travers de village qui est capable de réussir à développer les zones rurales. Mais ce n'est pas un développement qu'on peut faire, c'est pas un développement urbain que lui. Ça veut dire que c'est un développement vraiment un micro-modèle de développement qui est capable d'aller aider les gens qui vraiment pas gagné dans les eux, mais qui ont un potentiel agricole là et de production. Et puis aujourd'hui, pour capable aider, booster, sortir dans misère, dans le problème que vous avez. Est-ce que Gainville demande, parce que l'on a parlé, l'on a vend, nous dit vend, dans le sens c'est. L'on a fait promotion, par exemple, pour la parole. Et l'autre localité, l'autre zone que nous avons passé sur nous avons une demande sur nous-mêmes, nous avons gardé, nous l'avons passé. Non, si c'est vous, ça, tout le pays a une demande. Mais malheureusement, j'aime dire, un peu même c'est son gros dinosaure. C'est pas modeste. Non, c'est ça. Les utilisants de l'île, c'est pas modeste. Non, c'est ça lié. Son petit fondation, qui a fait un peu d'efforts. D'ailleurs, nous avons 15 membres dans la fondation. Pour tout ça, là, par exemple, nous avons ministre Ozan, nous avons c'est un beau staff que lié. Son petit staff que lié, nous avons marre. Nous avons une bonne équipe qui est motivée, qui voulait faire d'ailleurs. Mais ce symbole-là, c'est symbole-là que nous voulons mettre à. Et tout m'a profité de lancer tout une pensée spéciale pour maman, qui court une fondation en pile, qui sont pour tout le temps. Bon, je me redis à un remède spécial pour lui, et puis il me dit que nous sommes en pile, dans le cœur nous, et dans ma javel, donc maman Kembela. Mais ça j'arrive, il y a quelqu'un qui bâche Guinée, il y a beaucoup de là qui a dit que. Petit le fait que vous nous voulez le rétablissement, vous ensemble avec toute l'équipe Radio Télé-Guinée. Si vous faites brancher vous-même qui est dans la radio, qui attendait au même tour, qui a gardé nous à travers tout le pays, nous avec l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui est même passé pour tes bonnes fêtes par là. C'est fait par le tour, mais vous n'avez fêté. Même quand on est venu à tout, on a eu des actions, on a eu des devoirs citoyens. Quand même, parce que c'est dans le dirigeant de l'Élysée, dans le gardien de janvier. Donc pendant que nous gardons là, nous connaissons aujourd'hui, nous avons un devoir citoyen. Tout à fait. Répondre à une invitation que. Par que le juge Morin, dans le cadre d'une instruction
que la mairie de Bilibé a cette information sur, sur la mort jeune et Alex Gasson, qui lui-même est décédé dans le mois, c'est le bateau de 9 février 2012. Donc nous répondons à invitation et comme instruction du secret, donc ma part de détail mais bon, nous répondons à devoir citoyens, nous pouvons aller et en réalité c'est que nous montrer que par aucun des avocats qui ont volé des faux messages, des fake news, j'en ai là pour essayer d'induire population en erreur. Donc, dans ce sens, il faut tout le monde être posé, être posé, parce que des informations, ça, nous voyons déjà, c'est ma première fois que nous avons des informations dans le pays, nous avons des mentis sur nous. Donc, menti, c'est un peu le politique, c'est ça, menti que fait politique. Alors, il faut voir que nous avons le temps que politique menti, ça, c'est pas avec marché. C'est politique qui marche, là, parce que le peuple a pas égaré. Encore. Le peuple a connu exactement qui est-ce qui a fait qui ça et qui est-ce qui est dans l'intérieur. Nous avons une campagne tout azimut qui a fait là contre et qui a servi avec une machine de propagande à outrance sous des projets X ou Y qui pas fait de soins. Hein, donc nous disons, tête posée. On dit que les gens sont décantés. Parce qu'il y a la justice, la politique, bon, etc. Donc, bah, Exactement. Et ça dit que vous satisfaites aussi de son devoir, que vous avez rendu à tous les citoyens. Même parce que, écoute, finalement, il n'y a rien à cacher. Ça veut dire que la situation est salée. Par exemple, dans le cadre de ça, si vous regardez bien, moi-même, j'étais dans l'époque que jeune ça a été mouillé, moi-même j'étais ministre des Affaires étrangères et des cultes. Ça veut dire que vous êtes pas avant, je ne suis pas docteur. Non, pas du tout, je ne connais pas. Ça veut dire que c'est ministre des Affaires étrangères en charge de la diplomatie haïtienne. Ça veut dire que je dois occuper tout ça qui est politique externe pays. Pendant tout le début, madame Atelier. Donc c'est qui le premier ministre, donc c'est le premier ministre, en mai 2012. Donc j'ai dit la situation est toujours claire et toujours saliée, mais un peu l'amalgame avec un peu de propagande politique, on a baissé un du peuple en erreur, on a baissé un du ministre par l'argent lié. Ça veut dire que en réalité, bon, même répondre devant la citoyen, mais pas grand pile que nous avons contribué parce que maintenant même monde. Donc, on laisse la justice, on bat la justice, j'arrête, parce que tout à fait. Bon, justice, ça, c'est lui-même qui élevé en nation. Tout à fait. Donc, c'est lui qui élevé lui, donc que tout citoyen est obligé tout à fait. Faire confiance à la justice. Absolument. La justice, identifier tête lui, et tout citoyen, mais doit. Absolument. Et de voir tout grâce à la justice. Et surtout pour famille tout. Parce que famille a droit à tout pour que y ait justice. Donc, c'est ça qui est plus important. Donc nous connaissons, si nous parlons, nous pas réellement été trop long parce que bâti Haïti a, bon c'est moins long. Long playing. Ça a pris automatiquement le gouvernement là. Ah, ça. Si on est barrière, on va gagner l'estomac. Vous faites votre 6 heures, 12 heures de temps. Ah, j'ai ça. 6 heures minimum. 6 heures minimum. Pas encore, pas encore 6 heures. Non, il est plus. Vous ça me dit une page, j'aime quoi une qui vivait 6 heures. Oui. C'était minimum 8 heures dedans, 6 heures dedans. Mais on connaît donc après, finalement, après le programme ça, j'étais tellement épuisé. Je devais me faire 2 jours parce que je ne vais pas sortir, je ne vais pas marcher, je crache. Tellement. Parce que c'est pas seulement gouvernement là, c'est toute préparation. Hein. Parce que ça, je ne vais pas trouver, c'est une préparation avant gouvernement là. Parce que fondé réuni. Différents ministres, il faut que nous même Kazek, que nous avons pour que nous puissions identifier qui a besoin dans la zone,
et puis pour capable qu'on y a là coordonner un plan d'action selon besoin ça qu'on y a là le que gouvernement la gare en fait et bien faut de coordonner suivi des actions qu'on y a là qui était un autre problème encore et mais en réalité qui était moins pensé qui était un autre modèle de gouvernance parce que on a parlé un peu de transparence, mais c'est que le modèle démocratique en vie, c'est associer peuple à la prise de décision gouvernement. Et c'est associer le peuple qui dans la section communale, dans différents communes, dans prise d'action. C'est-à-dire que faut peuple a senti que le gouvernement a travaillé pour besoin, pour satisfaire besoin, pour satisfaire désir. Et c'est pour ça que que toute erreur matérielle qui continue aujourd'hui à tout avec ça y est le tête calé deux le gouvernement Jovenel là objectif là est clair objectif là c'est une gouvernance qui dirigée par désir de mettre nécessité pour un peu nous reprendre ça c'est ça fait amalgame et nous voyons ça qui passe là que peuple a compris ça qui passe là et aujourd'hui là nous voyons résultat. Le résultat est clair, le 7, le là. Après tout péripétie que vous faites bloquer président Jovenel, après tout blocage technique, politique que vous faites bien contre le 20 mai, le peuple a choisi et le peuple a décidé. Donc, c'est ça, et encore une fois, nous voyons que le peuple a bagarré. Bon, je m'appelle Bablé Totrop parce que je connais son devoir citoyen que je viens d'appeler et surtout mon autre devoir filial tout envers maman qui est même obtenu, qui a même besoin d'affection dans mes et femme d'appel petit majeur. Mais je vais quand même si une petite question si je vais vous aller parce que quand je suis bâti à Itinier et coûte iPad là parce que si le plat au sans iPad là il est guidé là 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 mais de iPhone mais quand même c'est une version miniature de iPad là donc au moins ça nous une plus moderne mais bien ça parce que même dans le journal tout côté et même caricature qu'a présenté ça avec iPad là ça avec iPad là et puis différents divers ça parce que la nouvelle chaque fois nouvelle les affront on caricature mettre un iPad là me dit bon les affront qui ont des artistes pour appel mais on fait quand même parce que toute caméra sur on dirait que avec Apple là et avec le Silicon Valley même de prévision de dire ça de dire que les réclames gratis qu'a fait et quand même et un peu le monde là même réalisé que dans le pays de Haïti possiblement ça bien un peu le monde qui par exemple président Paul Kagame président Rwanda réalisé qui genre que peuple haïtien a reçu je dis c'est pas vrai qui genre ça me dit monsieur ouais ou son modèle pour le monde, pour les pays du Sud. Je vais me réaliser ça. Je dis, mon cher, je suis tellement Rwanda là, ouais, tout ça me fait là. Et puis bon paquet, nous avons parlé mal. Je dis, monsieur, mon cher, je vais faire bien pour le peuple là. Nous avons pile monde qui a toujours contre. Parce que c'est force réactionnaire. De pouvoir faire bien pour le peuple, bon secteur qui lui-même pas content. Et après, il a agi contre nous, je me c'est exactement ça qui a passé là. Donc, ce n'est pas là actuellement que ça a fait au bon pays de Rwanda, même situation. Pour le président visionnaire, tant que le président Paul Kagame. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que vous un bon esprit de discernement pour comprendre est-ce que c'est mon qu'on fait bien pour eux qui a pas le mal. Parce que le plus souvent, ce sont des compétiteurs. C'est on peut avoir des petits temps pour faire piste agricole là parce que pas de jambe avant et m'oublier faire 4 fois la migration
section Nouvellement Frontière, il a dit 15 coffres comme c'était en 2017. Ah, c'est toujours 15 coffres, avec. Bon, mais c'est n'a pas un c'est n'a pas un n'a pas un pire que 15 coffres. Il y a beaucoup de monde. Il y a un souci. Là, c'est justement une sorte de visite d'inspection de Alphen avec avec mon travail sur le projet. Et puis, deux, trois. Alan Kave était là, Alan Kave, gros chanteur, qui était venu avec nous juste là. Et nous avons fait plusieurs visites là, nous avons ministre aux âmes, nous la cassette là, là, et nous avons modèle de participation citoyenne dans la construction de l'école là. Parce que là, nous avons que, par exemple, nous avons essayé de porter matériel, parce que nous avons tout le monde participer net dans la question. Donc là, ça nous est assez ancienne Miss Haïti, Elisabeth Bono qui fait paraître là, Elisabeth Bono qui était ancienne Miss Internationale de la mer à cette époque, et bien qui lui même Bono aujourd'hui, qui a collaboré avec la Fondation et qui a aidé nous un peu. D'ailleurs, nous faisons un programme et nous jumelons et Baldwin School Bono avec le centre de formation classique dans Payol. Donc de l'école jumelée, donc élèves pendant que vous venez pour faire formation, ok, actif et puis vous faire échange d'uniformes, vous faire échange de matériel scolaire et tout, et entendu, c'est l'école pardon, qui bénéficie de tout, parce que dans le même temps, on voit l'école pendant que et on voit le balayer pour aller la formation. Donc aujourd'hui, quand même, jour à jour, viens, arriver probablement faire le contraire. Mais c'est avec la Fondation Rapino. Et nous, quand l'a fini, on a un café de théâtre. Là, nous disons qu'on l'a fini, c'est bâtiment fini, bâtiment. Mais est-ce qu'en dedans, on veut personnel, il est fonctionnel? Oui, absolument. Mais l'école, ça, non, l'école, là, ici. Non, l'IPAP, j'aime, oui, il vient à un niveau pour arriver, parce que vous avez un problème de fin. Mais bâtiment, lui-même, il est fini, si nous venons dans la salle de classe, et tous les jours. Donc, là, par exemple, mais il y a un problème. Même bien que toute l'école a été menée, problème net, problème formation de même. Bien que là, il y a une formation qui est faite, et nous avons dit que l'école ça a beaucoup plus avancé dans ce sens-là, parce que là, il y a une étape fait fondation, c'est-à-dire que l'école a peut-être quand même fait pour ça. Mais je vous dis, c'est une image, ça c'est 2 février 2020, l'école là, elle-même, c'est parce que l'école c'est fini là, et si nous sommes entrés dans la salle de classe, il y a travail normalement. Et en notre salle de classe. Donc, je pense que au moins, nous faisons un peu le bas dans le gouvernement. Et en fait, avec Zong, nous faisons, c'est avec un pile boumé. Et bien, M. Gilberto, qui est directeur de l'école là. Et bien, l'école là, nous prenons la tête pour tirer l'école ça. Oui, bien, nous sommes censés, nous avons plutôt avoir un devoir citoyen pour remplir, donc toute population, tous les mêmes voies qu'on nous a fait tout. En Afrique, souvent, ces derniers temps, c'est une visite de l'alma mater ou du ministère. Non, ça veut dire que. Soit voté. Soit à chercher ou bien soit voté. Il faut dire que là, par exemple, d'abord, dans le dernier mois, ok, qui fait, le mois de mars là, nous avons fait 2 conférences. Il y a une conférence Berlin en Allemagne et puis une autre conférence au Maroc. Que nous, sur le monde de l'UE, parce que le président Madrid était allé dans la conférence à tout. Donc, conférence allemande, c'était pour l'émergence de l'économie numérique, côté que nous faisons présentation, et devient un pile ancien chef d'État là à tout, numérique. Donc, l'utilisation des outils technologiques dans la gouvernance d'un pays en voie de développement. Et, côté que nous expliquer, importance que technologie gagne et pénétration et internet là et différentes technologies qui sont appliquées pour ça faire l'infogra, ça veut dire surpasser et tout problème qu'on est capable de gagner côté que vous servez avec des plateformes technologiques. J'ai par exemple, nous ça va faire, je vous dis par exemple, dans le pays d'Haïti, côté que nous passons de 6 000 utilisateurs téléphoniques il y a 20 ans ça. Aujourd'hui, il y a presque 6 millions d'utilisateurs et il y a que aujourd'hui, il y a presque une pénétration de téléphones intelligents qui presque 2 millions de téléphones intelligents à travers le pays. Nous voyons tout que le système de paiement a un effet d'inclusion financière qui est essentiel pour le développement de notre pays.
Parce que sous pas de inclusion financière, côté de population, les capables d'avoir accès à un petit moyen pour faire une réaction, comparativement à un modèle ancien qui c'est des branches de banque, ou bien accès à un cadre de crédit, je ne sais pas gagner. Donc, c'était faire une comparaison de différents modèles de l'économie numérique là et qui impacte les carrières sous pays émergents. Donc, c'est ça que nous devons faire à Berlin. Et il est allé au Maroc, donc nous devons faire une présentation. Il me fait ça à plusieurs pays. En plus, nous avons voyagé en pile côté, c'est ça que nous faisons en pile présentation dans un pile pays. Et dans l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud, mais que nous devons côté, nous devons aller dans une remise de prix pour la diplomatie africaine. Donc, nous devons, l'un des premiers ministres, nous devons lancer ce concept pour que Haïti vienne retourner comme membre, vienne retourner la CAILE, vienne retourner dans la santé CAILE, vienne retourner dans la Guinée. Donc, c'est ça. Et sous le symbole tout ça, c'est que Haïti fait partie de moyen dans le monde. Donc son symbole est quoi à côté de la CAI. Et deuxièmement, en termes de géostratégie, géostratégiquement, eh bien, nous tournons avec un bloc qui est 54 pays qui a voté pour nous, pour quel que ça soit besoin. Donc en plus, qu'on est à la première CARICOM, qu'on est au Union africaine, donc nous venons pratiquement seul pays dans la Caraïbe. Et il y a un seul pays au monde qui est capacité ça. Donc ça ouvre plusieurs portes pour nous, plusieurs institutions internationales. Et puis, un pays qui parle dans la question de libération de l'esclavage là, on va mettre nous sous côté. Mais aujourd'hui, nous avons affirmé tête nous, nous avons continué à affirmer tête nous. Et le retour d'Haïti à l'Union africaine est un bel exemple pour le monde entier. Il n'est pas fait. Non, il ne peut pas faire, parce que son processus qui a pris un temps. Okay. Ça a joué jusqu'à présent. Il faut passer au vote avec l'autre pays. Faut qu'il change de statut. Si c'est pour vote, là, nous devons le président Wanda, le président Paul Kagame, lui-même, le supporter demain. Donc, on est là, au niveau de la diplomatie haïtienne, avec le ministre Antonio Rodrigue, faut qu'il y ait un nouveau push qui fait, mais c'est ça. Pour que, de manière symbolique, nous sommes capables de réussir une victoire ça, et de manière géostratégique, nous placer Haïti dans une bonne position pour obtenir un pile en termes de vote dans les instances internationales. Donc là, nous sommes censés parler d'Haïti là, nous presque à Fogati Haïti à la bien que son souhait qui vient dire, alors, on ne va pas parler avec nous-mêmes seulement, ça ne va pas parler à la population hein, qui est au même tout. Attendu non seulement à la fondation Louis Gélavotte, docteur Louis Gélavotte, mais encore avec le même tour qui sont faits et qui activités qui a mené. Donc nous. Alors pour nous dire ça, une question que je vais poser. Je vous parle de l'évolution du téléphone, un nombre de téléphones intelligents qui viennent dans le pays. Problème de bonnes passantes que nous gagnons. Est-ce que c'est manger, préparer une boîte que préparer pour téléphone intelligent ça qui paraît rapidement sous nous, chaque monde a voué venir, et téléphone ça a demandé bonnes passantes. Est-ce que c'est préparer une boîte que préparer, juste ce cabane éclairer nous sur ça, sur mon esprit et opinion sur ça. Bon, ça veut dire que question par exemple de téléphone, il y a différentes raisons pour ça, est-ce que bonne passante ou rapide ou pas rapide. Ça veut dire que là où il y a un câble qui c'est Natcom qui bat un service de bonne passante à travers le pays de cap fibre optique. Donc il y a un avec capacité bonne passante là, avec investissement de notre par exemple en plein pays d'Afrique il y a deux ou trois câbles sous ma rentrée dans le pays. Okay. Donc, on va parler de fibre optique, de compagnie de téléphone. Donc, fibre optique, vous commencez la fibre optique là. D'abord. Vous avez accès à absolument. Quand vous avez la compagnie de téléphone, vous avez un relais. Ok, que les vignes dans le téléphone, pas les vignes dans le téléphone différent, on capte les là. Et les vignes dépendent de capacité que l'opérateur va gagner et capacité que le dédié par utilisateur. C'est pour ça que, souvent, les internet de 64K, de 256K, de 512, et tout et tout, donc ça va dépendre. La vitesse là dépend de capacité que lui-même opérateur allait l'acheter de câble. Donc ici à nouveau seul cap cadré, c'est pas trop bien. Mais dans plusieurs pays, il y a plusieurs cap cadrés. Et pour ça, parce que à ce moment-là, je fais câble, je fais compétition à l'un à l'autre.
coût par utilisateur la BBC, ou bien ou acheter plus de bonnes passantes dans le cadre qui est entré. Donc tout ça, c'est investissement qui vous faites au niveau opérateur pour voir exactement comment est-ce que vous êtes capable de baisser pour eux et puis augmenter bonnes passantes pour capable de plus de volume d'utilisateur. Mais donc, il y a un modèle qui est très important et que nous, quand on a la cap, cap entre sous, le cap, cap font évolution dans le monde, c'est question de monnaie numérique là, pour améliorer le système de paiement. Parce que je dis à une petite problème et de garder le monde entier, c'est l'indisponibilité de faire des micro-paiements. C'est-à-dire que micro-paiement, ça veut dire là, tu as une grande cigarette pour payer pour une grande cigarette là. Comment tu as payé, c'est cash ou tu as payé, je veux dire. Et tout le temps qu'on arrive dans une situation côté que micro-paiement n'est pas capable de faire de manière électronique, on a gagné un problème d'accès à la population qui n'a pas gagné, qui n'a pas accès aux services financiers. Donc, il n'a pas accès à, par exemple, à un compte en banque, il n'a pas accès à vision financière là et nous la vision financière là nous vient à travers tout ça y est le blockchain mais qui c'est nouveau internet là bon là on là ma parle de niveau technologique avec vous mais des nouveaux internet là qui lui même les sont technologiques les blockchain mettre son génie dans ça avec le web et son génie et action décentralisée côté que transaction est faite peer to peer et côté que sécurité transaction est garantie. Côté que cybercriminalité a diminué, et côté que pays a, enfin tout pays qui a adopté la technologie, ça nous avons des pays d'Europe de l'Est, tel que l'Estonie, qui a adopté, et plus de bénéficiaires dans le pays, tel que nous, tel que Haïti, tel que pays africains, tel que pays caraïbes, parce que l'IPAL, un, cassé coût et transactions. Parce que nous avons fait des micro-transactions sur cette là, nous devons sécuriser les réseaux et nous devons être beaucoup plus rapide et accessible à travers le monde. Donc, tout le pays que nous là, tout le monde, c'est sous question de blockchain qui travaille, qui est le nouveau Internet qui va révolutionnaliser le monde, j'aime bien aujourd'hui. Ah, on est venu bâtir Haïti nous toujours. Parce que vitesse là trop haut. Mais nous, nous ça c'est la pointe en top, parce que nous avons une journée en congrès. Et si, qui ça nous va dire là? Parce que si vous n'avez pas de parler, nous avons et ma vie, nous devons pas laguer. Parce que nous laguer là, nous avons un problème. Parce que nous bâtir Haïti, nous avons ça. Parce que c'est une université populaire que nous, à chaque fois que nous avons connaissance de plus, à chaque fois tout, nous portons éclaircissement sur la réalité, nous, j'en ai vu, là, nous avons figuré dans une glace. Donc, le plus bon pour nous, le plus bon pour la communauté. Donc, si c'est un grand dernier, nous avons fait une idée. Haïti, son souhait qui est allé, qui prend le large. Bon, ben, j'aime bien, mais dit, premièrement, sensibiliser la population sur l'été croyant et positif dans le pays. Croyant dans le pays. Parce que l'on dit mon radio, mon télévision, un peu de fois c'est négativité seulement obtenu. Dans mon cas, je dis, c'est là, la guerre, pays, c'est ci, pays, c'est là. Et puis il est très facile pour décourager des pays. Il est très facile pour perdre espoir, pour jeunesse là, pour étudier, qui là, qui n'a pas senti que demain est bon avenir, nous ça, il faut qu'il y ait de la foi. Il faut que il croit. La capacité. Et ça a commencé avec l'idée de l'école. Continuer à étudier. Continuer à faire bonnes notes. Continuer à travailler. Si nous avons un petit travail à faire, nous avons besoin de travail. Quoi dans la tête, quoi dans la capacité. Pas quitter les politiciens qui ont parlé de mal, qui ont découragé, qui ont voulu nous faire bouler caoutchouc. Parce que ça n'a pas mené aucun côté. Parler de mal, de mentir, de diffamation. Mais il y a des spécialistes en désinformation. Pas occuper nous, ça. Il n'y a pas de aucun côté. Continuez à croire dans Haïti, pays. Son grand pays, nous n'avons pas de deux. Son grand terre, nous n'avons pas de deux. Et nous n'avons pas de deux. Pour nous, nous n'avons pas de deux aujourd'hui. On va laisser le message à nous.
Mes amis auditeurs, amis téléspectateurs, et qu'elle soit à côté pour brancher nous, on est très content de gagner une édition ça, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte avec nous. Et on a toujours dit à chaque instant, l'antenne nous toujours ouvrir et qu'elle soit à côté où il y a tout. Depuis qu'il est là, et qu'il est toujours capable de faire le pont entre pays nous, à au moins à quelque chose à côté, Haïti Chez. Bonne chance et bon travail. Monsieur Damontane, vous pouvez me décoller.